Et je vous propose qu'on reprenne, non pas le soir ou le lendemain, mais au milieu de la nuit, pour un personnage en particulier sur cette aventure, à savoir Byron. Je me souviens la dernière fois que tu m'avais dit « Je vais me coucher et je vais essayer de rêver. » Savoir entrer en communion, entre guillemets, en lien avec ton entité, ton dieu, au final. De ton point de vue, en tout cas, parce que ça fait pas... Voilà. D'habitude, ça se passe comment ? Pour le coup, ça n'a jamais vraiment été à mon initiative, à part la thérapie onirique, mais c'est peut-être encore un cas particulier. Ça a toujours été le rêveur qui m'envoyait des visions, des rêves un petit peu différents d'habitude, peut-être un peu plus tangibles. Et des visions... toujours à son initiative... Des visions de l'avenir, pour le coup. De son projet, on va dire. Pas forcément. Ah, quelquefois, les premières fois, peut-être plus du passé, justement. D'accord. Ou en tout cas, de ce que Bern a pu comprendre comme être le passé. Est-ce que c'était le cas ? Peut-être compliqué. Pas forcément. Très bien. Mais ça, Bern ne sait pas. Cette nuit, tu vas te mettre dans les conditions, donc peut-être prier, méditer, essayer de te reposer un peu, te mettre, avant de ton sommeil, te faire ton petit rituel habituel, on va dire, avant de rêver, comme tu le dis. Et au moment où tu vas te coucher, tu atteins le sommeil, pour le coup mérité, parce que la journée pour toi a été quand même plutôt intense, on va pas se mentir, émotionnellement et physiquement, ça a été intense quand même. Et là, pour le coup, j'ai pas d'autre moyen de le dire autrement, mais ça ne se passe vraiment pas comme d'habitude. Là où d'habitude, comme tu me l'as dit, c'est le rêveur qui vient à toi et qui t'envoie ses visions, ses rêves, ses instructions peut-être de temps en temps. Là, pour le coup, tu te retrouves seul. À part. Un espèce de fil, un filin, qui te relie à lui, de manière très ténue. Là où d'habitude, il y avait toute une... On pourrait presque les comparer à des chaînes, ces liens-là qui étaient solides, qui étaient ancrés par ta foi, par le bouclier aussi, etc. Par ce que ton dieu avait besoin que tu fasses pour lui. Là maintenant, ces chaînes se sont transformées en espèce de petit filin. Alors, parenthèse du MJ, c'est une description très métaphorique que je fais, c'est comme moi je la conçois, mais si t'as d'autres choses à apporter là-dessus, n'hésite pas, hein, si tu veux changer les mots, etc., pas de problème. Toujours est-il que là, tu sens plutôt, que si tu veux entrer en lien avec ton patron, avec ton chef, ton dieu, ça va être pour une fois, et pour peut-être la seule fois de toute ta vie, à toi d'aller le chercher. À toi de remonter ce petit filin ténu, ce petit cheveu, en fait, au final, qui te relie à lui. Mais j'insiste sur le fait que c'est une différence colossale par rapport à ce que tu as connu avant. Là où tu avais une communion forte et puissante et permanente avec ton entité, avec le rêveur, là maintenant il n'y a plus qu'un petit cheveu qui vous relie. La différence là-dedans, je le rappelle, c'est que tu as perdu le bouclier. Tu le retrouveras sûrement jamais. Tu as une grosse conversation avec tous tes amis, ou tes compagnons, je ne sais pas comment tu les vois. Et tout ça a dû forcément te remettre en question sur beaucoup de choses. Peut-être que ce que tu as indirectement infligé à Saïa aussi a joué là-dessus, avec la statuette, on se rappelle. Oui. Je vais te demander comment tu réagis à ça. Est-ce que tu remontes le fil ? Comment tu vis ça ? C'est pour le coup, je pense que c'est à Bern aussi d'en décider quelque part. Pour le coup, Bayern aimerait bien avoir des réponses. Peut-être pas forcément le même genre de réponse qu'il aurait voulu quelques jours en arrière. Et du coup, ouais, il va remonter le fil. Tu remontes le fil, péniblement. Tu es donc dans cet état un peu semi-conscient, semi-ensommeillé, semi-éveillé. Tu remontes ce filin à la force de tes bras, à la force de ta volonté au final. C'est pénible.
C'est pas un truc que t'as l'habitude de faire, ça ne t'est jamais arrivé encore. Tu te sens envahi pour le coup par un sentiment de solitude. Parce que peut-être que Baern, il est assez solitaire dans sa manière d'être et sa manière de faire, mais à l'intérieur, il n'a jamais été seul. Tu vas remonter ce fil-là pendant ce qui te semble être une éternité. Comme c'était une épreuve que tu devais faire pour avoir les réponses aux questions qui te taraudent. Et tu arrives au bout d'un moment à sortir de cette espèce de tunnel de noirceur, ce tunnel de néant, pour arriver sur une vision, enfin. Une, enfin, finalement. Mais la différence de celle-ci, c'est que ce n'est pas le rêveur qui te l'a envoyé, c'est toi qui l'as cherché. Et qui l'as trouvé. Tu es témoin d'une scène, pour le coup, assez similaire dans la globalité, on va dire dans le contexte, à celle que tu as vécue à l'Emporium ambulant, avec cette thérapeute, on va dire, t'avais donné le masque, où tu aperçois quelqu'un ou quelqu'une en train de prophétiser, en train de pratiquer la divination avec un autre être. Il s'agit pour le coup d'une demi-orque. Et tu ressens à travers les yeux de cette devineresse, tu ressens la présence, le contact, le lien qui t'est familier, celui du rêveur. Tu es témoin de cette scène comme si tu étais un oiseau qui vole. Il n'y a pas spécialement de décor particulier, ce n'est pas en Averne, si je peux préciser quelque chose, quelque part ailleurs. Et tu entends des mots qui sont proférés, qui pourraient ressembler au mot suivant. Le rêveur t'a choisi. Tu as un immense destin à accomplir à ton tour. Tous les autres ont échoué. Notre avenir repose sur toi. Comment tu te sens, ça ? Mitigé pour le coup. Puisque. En fait. La foi de Baern a toujours été intangible et c'est par ses actes que le rêveur l'a fait douter, ou par ses non-actes sur certaines choses. Et peut-être que pour une fois, comment formuler, peut-être que pour une fois, en tout cas, la foi de Baern n'est pas de soi, en fait. Peut-être que pour une fois, le rêveur lui doit quelque chose à ce niveau-là. Là où Baern lui a toujours tout donné. Moment où tu fais ces constats-là sur ta propre personne, sur ton âme en fait au final, enfin ou à comprendre tes amis ce qu'il en reste, tu vois au loin, peut-être est-ce par-dessus une montagne bordée de sapins, peut-être est-ce par-dessus les murailles d'une cité, peut-être est-ce par-dessus l'océan. Peu importe, cela n'est fonction que de où tu imagines que cette scène se passe, que cette vision se passe. Tu aperçois deux points lumineux, une couleur verdâtre. Tu sens cette odeur qui t'est si caractéristique, l'odeur de l'iode, l'odeur de la marée, l'odeur de l'océan, qui t'est si particulière, en fait, dans laquelle tu vis depuis tout le temps, parce que c'est à travers ça aussi que se manifestent tes pouvoirs. Tu vois ces deux points. Tu vas, je pense, immédiatement associer à des yeux. Comme si c'est une genre de vision que tu as déjà eue par le passé. Peut-être il y a fort longtemps, mais comme si le rêveur te surveillait, comme s'il te regardait de très loin, et maintenant tu sais à peu près où il est, dans les royaumes lointains, au-delà des plans connus et explorés par toutes ces gens, toutes ces personnes qui ont exploré les plans extérieurs. Ses yeux, d'un coup, brusquement, se ferment.
L'odeur disparaît. Il ne te regarde plus. Et tu entends de nouveau en bas cette scène de divination, en fait, entre ce qui aurait pu être toi ou ce qui a été toi dans un passé pas si lointain. Cette devineresse, encore une fois, de la même manière qu'à l'Emporium. Tu entends cette phrase proférée par la nouvelle élue. Les autres vous ont déçu. Ce ne sera pas mon cas. Trouvez-le être là n'est pas suffisant. Mes camarades aussi sont là. Tu le dis à voix haute comme ça dans la vision. Ouais. Tu vois que ça déclenche une réaction un petit peu curieuse de la part des deux personnes qui sont en bas. Peut-être au bord de l'océan, peut-être dans un parc, peut-être dans une tente. On regarde. L'élu qui dit très calmement, d'un calme olympien pour le coup. Qu'était-ce que cela ? La devineresse qui dit sûrement les âmes de ceux qui n'ont pas réussi, qui nous écoutent. Ou peut-être celles de ceux qui ont déçu notre maître. En tous les cas, c'est vous qui l'a choisi pour cette mission. Tu te sens de nouveau repartir en direction du tunnel de néant que tu viens de traverser péniblement. Ils sont toujours là, je suis pas sûr d'avoir pas la devineresse en tout cas. La devineresse et l'élu sont toujours là, mais tu te sens de nouveau aspiré de là où tu viens, donc cette espèce de néant avec ce filin, tu sais, de lien qui te reste. Peut-être pas été clair, mais la vision est toujours sous toi, mais si tu ne fais rien, tu seras happé de nouveau vers ton enveloppe mortelle. Mais tu as entendu très clairement les paroles qui ont été proférées. Dis-moi, enfin oui, non. Si t'as des questions, vas-y, j'ai peut-être pas été clair hein, dans ce que je dis. Hein. Moi je pars dans ma narration, mais moi j'imagine la scène, mais on est sur la divination, donc c'est un peu chelou. Hein. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il ferme les yeux sur moi. D'un autre côté, la phrase d'après fait me dire qu'il me dit par la devineresse, crois toujours en toi, t'as toujours ta mission. Non, cette phrase s'adressait pas à toi. Ah ok. Elle s'adressait à la nouvelle élue. La demi-orque qui est en face d'elle. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était la demi-orque, la devineresse justement. Non. Ok, je comprends mieux du coup. Mais pardon, je me suis peut-être embrouillé un moment aussi. Oh, t'inquiète. Mais confuse. Oh bah pour le coup, oui, je vais même pas essayer de rester. Au fil de ton retour pénible, chaotique, à travers ce tunnel de vide, ce tunnel de rien. Quand je dis rien, c'est comparé à la foi que tu avais avant, par rapport à ce que tu recevais avant. Tu comprends plus ou moins que... Au final, ce qui te rendait heureux avant, c'était aussi d'être un outil, peut-être. D'être un moyen pour ton Dieu, d'accomplir sa mission, son projet, le fait de revenir dans ce monde-là, dans ce plan ici. Mais ce que tu comprends aussi rudement, c'est que un outil, quand on en trouve un mieux, on se débarrasse souvent des anciens. Et peut-être que c'est que ce que tu as été au final. Comme te l'ont suggéré plus ou moins tes rencontres récentes, tes échanges avec tes copains, tes copines. Et tu te sens happé, tu vois toujours ce mince filin qui s'effrite petit à petit, il en reste plus grand chose, mais qui s'effrite encore un petit peu. Et tu te sens réintégrer ton corps brutalement,
Peut-être que tu te réveilles en sursaut, en transpirant, en criant, je sais pas. À toi de me dire. J'imagine. Pour le coup, j'ai vraiment poussé un cri de rage et m'arracher le pendentif que j'avais moi-même sculpté, que j'avais autour de mon cou, mon symbole sacré. Et je vais essayer de le broyer dans mes mains et le balancer au loin. Je vais continuer de gueuler, frapper les arbustes, vraiment essayer de sortir quelque chose, sortir cette rage de moi. Cette impression d'avoir été trompé, alors que je lui donnais tout, et qu'en fait j'étais un parmi d'autres, j'étais juste utile. Et oui, imagine que les autres pourraient entendre ce cri aussi, ce cri de rage. Je pense. S'il y en a qui veulent réagir à ça pendant la nuit, pas de problème. Ça va peut-être nous réveiller, non? Je pense que oui, honnêtement. Sauf si Groba ronfle plus fort, mais... Il y a des chances. Vous allez entendre parler par les nains. Par les nains? Ok. Ouais, ouais. Les insultes réflexes qui remontent. Ah mais t'es obligé de gueuler à cette heure-là, c'est pas possible. Je pense que je vais ignorer en vrai. Je vais juste péter des trucs autour. Je sais pas, peut-être des ruines, des arbustes, des shooter dans des pierres, frapper le sol. Les autres, vous êtes réveillés aussi ou pas? Tendre des points vers le ciel, mon gueule. Ouais, moi je pense que je me suis réveillé, que je me suis saisi de ma hache et que je vais regarder ce qui se passait. Et quand j'ai vu que c'est juste Bern qui s'énerve, je l'observe, mais je dis pas grand chose. Ouais, je pense que pour le coup, ça va être pareil. En plus, si c'est elle qui montait la garde à ce moment-là, il est fort probable qu'elle soit pas dans sa forme humaine. Et du coup, dis-moi, je suis du trépas au milieu du camp, on nous attaque. Et du coup, ouais. Effectivement, elle observe pour voir s'il n'y a pas de menace, mais quand elle se rend compte que c'est juste Bern, ouais, ne va rien dire. Bah du coup moi je vais m'approcher de toi. Oui, il fallait bien. Bah oui. Et c'est le meilleur. Je pense pas. Il y a un truc entre vous. Mais tu vas arrêter de péter des trucs, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a une sale mouche qui t'a piqué ou quoi? C'est pas possible. Tu veux un câlin? Je sais même pas quoi dire en vrai. Il en perçoit. Dis oui. On sait que c'est une scène difficile pour le perso. Oui, oui. Visiblement, Bayern est amorphe devant toi. Tu vois mes mains, c'est. T'es avec nous, Bayern? Eh. Hey. Ouais. Réveille-toi. Combien j'ai de doigts là? Non, je vais pas faire ça. Ça se regarde vraiment, tu vois énormément de colère. Et en fait, il va juste te dire, vous aviez putain de raison. Et
et j'ai l'impression d'avoir perdu bêtement des années de ma vie. J'en ai juste plein le cul de cette existence. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai entendue depuis que je suis en Avernus. J'ai raison. Oui, j'ai raison. Bien sûr que j'ai raison. Les jurons sont en un d'ailleurs. Ils restent en commun. Parce que ça ressemble à l'Alban du coup, pour que ça ait l'air très énervé. Alors comme ça, t'as dit à ton dieu qui vient d'une autre dimension que c'était un sale con. J'ai rien dit du tout, il l'a prouvé lui-même. Bah c'est encore mieux. Au moins tu vois, tu t'es débarrassé d'une relation toxique. Je vais demander des comptes et m'acheter. Oh. Si j'avais encore un cœur, tu me ferais pleurer. C'est bon, c'est bon. Putain, mais arrête de partir comme ça, bordel. C'est ton anneau. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu racontes? T'as rien à cirer de lui, tu veux te faire de lui toi aussi, non? Comment ça, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 c'est dans la tête de... Ah. Oui. Ah oui. Oui, c'est pas c'est que dans la tête de Shrimpy, enfin de Shrimpy, de Hyphine. Tu réponds dans ta tête aussi? Oui. Oui, ok. Je pense très fort, je pense très fort. C'est bien, il n'a qu'à se foutre la merde. En vrai... Fourmilia. J'ai maintenant le bandeau d'intelligence, donc je vais être un peu moins débile quand même. Ouf. Parce que sinon, il aurait parlé à haute voix. Hein. C'est pas une flèche, hein. L'utiliser, pas forcément, non. Pourquoi tu dis ça? Forcément, tout de suite. Mais pas Dieu de Barret ici. Il est fort, lui, non? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Après, son truc, ça va pas l'air tout net, hein. Ah, pas du tout, même. Attends. Moi, je pense que t'es un peu un gros con, mais il a l'air de s'être sorti du chemin. Là. C'est bien. Comme quoi, tu peux avoir quoi une bonne influence sur les gens, toi, hein? Pardon? Tu t'es vu? Bah tu te rends compte de ce que t'es en train de dire comme connerie? Ton avis. Bah attends, je te fréquente, ton avis. Bah tes sarcasmes, tu peux te les mettre au cul quand même, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et le contact seront. il va bouder. Bon, bah, écoute-moi. Maintenant, t'as pris peut-être la meilleure décision de ta vie, il y en a plein d'autres que tu feras, je suppose. Le plus important, c'est qu'on sorte d'ici. On est d'accord. Je sais pas. J'aurais probablement répondu le contraire il y a quelques jours, mais effectivement, on a un truc à faire et après autant se barrer. Au moins, on est d'accord là-dessus. Et puis après, tu trouveras peut-être mieux que ce dieu pourri, au pire tu trouveras une vengeance. Ça peut être une solution aussi, je ne sais pas. En même temps, maintenant il t'a acheté, donc ça pose plein de questions, non? Plein de perspectives. Tu peux faire tout ce que tu veux de ta vie. Peut-être que d'autres choses vont te répondre. Alors j'espère que tu feras des meilleurs choix quand même, parce qu'on va pas se mentir. Faire croire à un truc qui, enfin, faire confiance à un truc qui pue la marée. Bon. Je veux pas dire que t'es naïf, mais... J'espère que vous me foutrez un coup de pelle si je reprends ce chemin, là. Et défigurer une si belle trogne, bro, ce serait dommage. Par contre, te rappeler que c'est une erreur, remuer le couteau dans la plaie, jusqu'à ce que ça ressorte, ça je peux faire. Ma spécialité. Je prendrais ça comme un rappel, je t'en voudrais pas. Tu prends ça comme tu veux. Juste évite de tout péter. Il peut y avoir des choses qui peuvent nous servir quand même. Ou au pire, va péter du démon. Ça détend, ça fait du bien. On va probablement continuer dans ce voie-là aussi, mais j'en avais pas sous la main. On va en trouver très rapidement, t'en fais pas. Ok.
Du coup, là, vous avez trouvé un diable ou deux qui traînent pour détendre Bayern ? Ouais, je vais l'envoyer, hein, il va s'amuser. Ah, vraiment, s'il y a des diables qui passent, je saute à la carotide. Hein. J'ai faim. Le perso est déjà vampire, tu sais, en une nuit. Crac. Bien. Il n'y a pas d'autres ajouts sur cette scène. J'imagine que vous allez reprendre votre nuit tant bien que mal. Enfin, Bayern peut-être ouais. En faisant les 100 pas et en tapant dans le sable. Je suis pas sûr d'avoir envie de dormir. Ah bon. Je vais prendre les tours de garde restants. Bien, monsieur seigneur. Ou flipper. Ou les deux. La nuit va se dérouler du coup dans cette, en tout cas pour toi Bayern, pour les autres je pense que tout le monde reprend son sommeil sans trop de difficultés là-dessus. Pour toi Bayern c'est compliqué quand même de gérer tout ça. Ça tu viens d'envoyer chier comme tu l'as dit toute une partie de ta vie, même toute ta vie en fait, et vous avez toujours une mission à accomplir. Comme on l'avait vu la dernière fois, chacun, chacune pour ses propres raisons. Mais n'empêche que vous êtes liés au final par un but commun, vous barrez. Et tant qu'à faire, hein, se barrer, autant finir en beauté. La nuit, la période de sommeil va se passer, parce qu'on rappelle qu'en Averne, il fait jamais nuit, jamais. Enfin, si, il fait jour tout le temps en fait, cette espèce d'orange rouge dégueulasse en permanence. Vous allez petit à petit, chacun votre tour, émerger de notre sommeil, de votre léthargie pour attaquer ce nouveau jour. Vous bénéficiez bien évidemment des avantages d'un repos long. Et je pense que mon cher Bernd, tu te sens légèrement changé quand même. Un peu un euphémisme. J'ai profité de la nuit d'ailleurs pour peut-être sculpter un nouveau truc. Vas-y, donne-le à Saïa pour voir. c'est un but d'expérience. Pour le coup, ouais, c'est du coup plus petit qu'avant parce que j'avais pas beaucoup de temps et que je voulais le faire pendant cette nuit. Mais en fait, il va se faire un pendentif en forme de bouclier brisé. Oh, c'est stylé. Tu veux pas juste prendre toutes tes statuettes et leur péter la tête? Vous vous remettez en route en direction, du coup, maintenant que vous avez l'emplacement de cette citadelle sanglante, le dernier jalon de votre mission, enfin l'avant-dernier techniquement, parce qu'à la fin il faudra quand même libérer le Turel, ou pas, on verra. Et vous vous remettez en route ? Ah ouais. Oui, on n'a pas de temps à perdre. Très bien. J'ai plus beaucoup dormi le reste de la nuit, j'ai pas mal observé Bayern, toujours sans trop rien dire d'ailleurs, mais... Voilà, j'ai vu que Groba pas beaucoup dormi. Du coup il est un peu ronchonchant le matin ? Non, au contraire, il a l'air presque satisfait. À Bayern, il a verra qu'il aura l'air, qu'il a l'air maussade. Enfin, comme si c'était une mauvaise journée, mais pas abattu, tu sais. Mais genre sous les abales, quoi. On va dire ça comme ça. Pardon, je vois les gifs dans le Discord. Là, il l'a mérité. Vous êtes con. Oui. On avait con là, qu'on était con. Vous êtes très con. Ah oui, ce soir, on est un peu en mode to be quand même. Hein. Et moi, j'ai décroché 5 minutes le temps de refaire ma liste de sorts le matin. Ça valait le coup de raccrocher du coup. Vous allez vous remettre en route, redémarrer vos machines infernales, remettre des pièces s'il y en a besoin.
Et vous allez devoir de nouveau, encore une énième fois, putain, longer le Styx pour trouver un passage. Comme d'habitude. Saya et Fid, vous êtes rompus à ça. Et ça, comme d'habitude, ça ne vous panique pas plus que ça. Vous dites, bah ça viendra quand ça viendra. Mais aujourd'hui, comme si, on va dire, un peu, c'était... La chance était de votre côté, comme si c'était un peu votre destin de traverser le plus vite possible ce Styx. Vous allez trouver pour le coup un vieux pont, donc solide, c'est pas la question, mais un vieux pont antique qui a dû être bâti il y a très longtemps, et qui semble avoir été pour le coup battu par des milliers de pas, probablement ceux des armées de la guerre de sang, qui devaient être là à une époque. On rappelle qu'on la voit quasiment de partout en Averne, cette guerre de sang qui se tient le long du Styx, entre les démons et les diables, des hordes innombrables et infernales qui se battent pour le contrôle de la strate. Cette strate des enfers. Vous allez voir du coup très rapidement, enfin rapidement tout est relatif en Averne, on se souvient, traverser le Styx sur un pont pour une fois plutôt solide. Pas besoin de sauter, pas besoin de faire de la nitro, pas besoin de lancer enchevêtrement sur un pont. Pour qu'ils tiennent debout. Vous savez où vous allez, peut-être qu'étrangement vous êtes toutes et tous un peu silencieux, mais Lulu pour le coup n'a pas spécialement réagi à ton cri de la nuit, ben, si ce n'est qu'elle te regarde avec un tout petit peu plus d'affection qu'avant. Un peu plus de... J'ai envie de dire de respect, mais je pense que oui, c'est ça. Je pense que venant de Lulu, ce serait un peu de respect, un peu plus d'amitié qu'avant. Tu vois que son regard est plus chaleureux, plus doux sur toi. Est-ce que c'est juste ta perception de ce regard qui a changé ou est-ce que c'est vraiment Lulu qui a changé son regard ? Tu ne sauras pas dire, là tout de suite. Ouais. Mais en tout cas, tu remarques un changement là-dessus. Mais même elle est extraordinairement calme parce qu'elle sait qu'elle se dirige vers, vers son destin, en fait, elle aussi. La citadelle sanglante, on rappelle que c'est un peu elle aussi qui a contribué à tout ça il y a très très longtemps. Elle a traversé aussi beaucoup d'épreuves comme vous pour y parvenir. Le voyage se passe dans ce silence presque oppressant. Enfin, à part le bruit des moteurs des machines, j'entends. Vous allez passer le long de volcans en éruption permanente, le long de créatures étranges, peut-être apercevez-vous un Cibriex au loin qui se promène. Pas celui que vous allez libérer parce que ben, ça s'est mal passé, mais un autre. Peut-être êtes-vous survolé par moments par des forteresses volantes, comme celles que vous avez explorées il y a peu de temps, à la veille au final. Vous avez les 9 bâtons avec vous. Vos objectifs sont clairs. Au moment où vous réalisez ça, vous faites un peu le point, vous passez une colline. Suivez un chemin entre des falaises. Passez à côté d'un petit cours d'eau qui n'est pas du tout de l'eau, mais du sang. Il coule. Vous le remontez, vous suivez à peu près les indications qu'on vous a données, ce que vous avez vu dans vos visions respectives, Aïfin et Saïa. Et vous remarquez qu'en fait, l'origine de ce petit ruisseau de sang n'est autre qu'une grande structure. Et je pense que structure est un mot complètement erroné, puisqu'en fait, il s'agit plutôt d'un immense homoncule que vous voyez à l'origine de ce... Comment dire ? À l'origine de ce fleuve de sang. Je vous envoie une illustration parce que ça vaut 1000 mots. Voici la citadelle sanglante. Et donc c'est le départ du Styx alors ? Non, ça n'a rien à voir avec le Styx, c'est un autre fleuve, ça n'a rien à voir avec le Styx. Non. Ok, j'ai cru. Et au milieu de cette espèce de d'homoncule, d'espèce de furoncle en fait, au final, on peut le comparer à ça, se trouve une magnifique forteresse pour le coup. Dans la plus belle mode d'Elturel, vraiment. Bayern, Groba, vous y êtes allé, Elturel, vous l'avez vu, vous reconnaissez typiquement l'architecture des temples, des lieux saints, des cathédrales, des monastères de cette cité. Mais celle-ci est complètement prise dans cette espèce de gros furoncle, cette grosse gangrène qui suinte du sang en permanence. Et Lulu qui ouvre de grands yeux, qui dit... Je me souviens. C'est... Elle parle à tout le monde, hein, par télépathie, rappelez-vous.
C'est moi qui ai formé la citadelle il y a longtemps. Et déjà à l'époque, la corruption des enfers commençait à grignoter la forteresse. Je n'aurais pas cru possible que ça puisse aller aussi loin. Il faut qu'on retrouve. Il faut qu'on y aille dedans. L'épée est là. L'épée est là. Je le sais, elle ne peut pas être enlevée. Seuls les gens dignes peuvent y rentrer. Il faut qu'on trouve une issue. Alors, c'est bien bon, Lulu. Ah, pardon. Non, je t'en prie. Non, je voulais juste demander si c'était bien l'endroit que Groba avait vu dans ses visions à l'Emporium. Complètement. Ok, ça va. Ça y ressemble. C'est bien beau, Lulu, tout ça, mais... Déjà, est-ce qu'on est vraiment digne? Est-ce qu'on va réussir à rentrer? Est-ce que tu connais l'endroit et potentiellement tu as les plans? C'est beaucoup d'interrogations. Là, on navigue un petit peu, donc comme depuis le début, de toute façon, à l'aveuglette. Ce serait bien qu'on ait un peu plus d'informations. Et on s'en est sorti jusque-là, alors il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas? Oui, mais c'est grâce à notre talent et à moi. Non? Là, on n'a qu'à passer par les chaînes. On n'y arrivera pas. La seule entrée qui permet d'entrer dans la citadelle se trouve en bas. Il faut qu'on passe par cette chose gluante et étrange. Oh. Une fois qu'on y sera, alors, je pourrais nous faire rentrer sans problème, mais il faudra qu'on trouve notre chemin là-dedans, je pense. D'accord. Moi, je me mets à avancer. Je l'invite à s'installer sur mon épaule. Et est-ce que tu penses qu'on peut trouver potentiellement quelqu'un qui pourra nous guider jusque là-bas? Bah, on a Lulu, Aïfine. Moi, je saurais sentir quand on se rapprochera de la porte. Moi, je sais. L'épée, elle est dedans. Et l'épée, elle est dedans. Elle peut être tenue que par quelqu'un de digne. Je me souviens. Oui. Groba, encore une fois, on te fait confiance. Si on meurt tous, ça sera de ta faute. Et je vous protégerai. Attends, non. On est venu pour ça, non? Maintenant, on ne peut plus rien nous arriver. Il peut plus rien nous arriver maintenant. Ah non, je ne suis pas reculé. J'adore les missions sans plan, bien évidemment. Et c'est ce qui fait les choses les plus épiques et les plus drôles. Mais en même temps, aller dans la gueule du loup sans savoir à quoi s'attendre... Je me penche vers Baerne et je dis il était quand même plus drôle avant que mettre ce bandeau, hein. C'est vrai. Donne-le à gros pas. Je l'ai jamais trouvé très drôle. Oh, ouf. Vous le dites à haute voix ou pas? Le bandeau, ben, en fait, je crois qu'il est. Tu sais, il pense être discret, mais c'est Groba, quoi. Donc, je crois que tu l'entends tout à fait. Je réponds sur le même volume, à peu près. Je peux faire un jet de sagesse, s'il te plaît? Mais tu fais comme tu veux. Moi, si c'est pour du decision making, tu fais tous les jets que tu veux. Y'a pas de problème. L'idée, en fait, c'est que ça le vexe, c'est que du coup, il l'enlève et il le donne. Tu me dis, c'est toi qui définis le seuil, je m'en fiche. Tu décides à ta manière, comme tu veux. Mais fais-nous rêver. S'il fait une réussite. Bah non, tu me dis en vrai, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais qu'en général, quand je le fais souvent quand je suis joueur. Enfin, quand je suis PJ, c'est pas souvent, mais ça m'arrive quand même. Notamment quand je joue des persos un peu chaotiques, un peu comme Aïfine en fait, tu vois. Je me dis, allez, en dessous, au-dessus de 10, il est sage, tu vois. Et il se calme, et en dessous de 10, c'est l'instinct qui prime. Moi, je fais comme ça. Je fais un jet de sagesse, et puis je vois. Ouais, je dirais un peu plus, parce que comme il est un peu énervé, il a perdu plein de choses et tout, il est un peu excédé. Et bah 15. Ouais. Ah bah voilà. C'est un 10. On voulait que ça se passe en vrai, on voulait que ça se passe. Ah oui, bien sûr. Tu vois que Aïfine te regarde avec vraiment cet air complètement dépité et un peu vexé. Bah tu sais quoi? Tu pensais être si meilleur avec ça. Tiens, il l'enlève du coup. Il le jette à la gueule. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais porte-le, bordel, j'en sais rien. Les cheveux, ils tiennent sans, regarde. Et en fait, il passe ses cheveux qui sont tellement gras qu'il passe ses mains dedans et puis les cheveux bougent plus. Oh non. Et il est même pas beau, ton bandeau, en plus. Oh non. Oh, c'est gore. Berne, tiens-le et je lui mets, je t'en supplie. Il
il va falloir arriver à 2m40 de haut. Hein. Et Lulu qui flap dans l'air, tu sais qu'elle a non, mais qu'est-ce que vous faites? Non, c'était le pouvoir de l'amitié. Non. Je me mets juste sur la pointe des pieds, il n'y a personne qui sait venir me mettre sur la tête. Hein. Tu m'attraperas pas. Berne, il va dire pas de raison qu'il y ait que moi qui souffre. Hein. Et je vais attraper la chute du gros bar en laissant le maintenir. En vrai, ce que je... bah, du coup, je vais en profiter, je vais rattraper le bandeau, je vais grimper dessus, je vais lui mettre. Ok. Et ça, il y a qui sort du popcorn. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, il y a qui regarde. Ah, donc, mais ça nécessite un lien, donc ça fait rien. Ouais, mais fait rien il suffit que vous vous reposiez une heure. Mais Groba va l'enlever parce qu'il trouve ça moche, je suis désolé. Non. Je sais que vous avez envie de voir Groba avec 19 d'appels, mais... Non. Mais non. Mais non. Non. T'es un voleur de fun. Ouais. Ok, bon bah fin de stream. Carrément. En fait, je vois pas un monde où il se dit c'est une bonne idée que je porte ce bandeau. Je suis désolé. Ouais, il va dire bon, bah, moi je le vais bien, hein, ça me rappellera tous les jours j'ai réussi à le vexer. Putain. Il va se mettre à parler le bêta. Je ne vais même pas relever. Je vais m'énerver. C'est déjà le cas. Bon, on y va, on a pas. Que ça a foutre quand même, non? Enfin, je sais pas. Tu vois, oui, c'est ça, moi je vous attendais un peu il là. Il est d'accord d'y aller. On y va, c'est bon, parfait. Moi je vais me le mettre sur la tête du coup. Tu dis que c'est quand même vachement pratique pour éponger la sueur, ces trucs là. Tu te demandes s'il y a des gens qui ont pensé, tu sais. C'est quand même vachement bien, tu sais, c'est une texture un peu en moumoute là en plus, c'est vachement bien. C'est hyper pratique. Il faudra un lien, c'est par dommage. Contre. Hein. Ouais. Mais c'est dommage que c'est pas une bague ou un truc du genre, j'aurais pu être con et me le foutre dans la barbe ou je sais pas quoi. Ça aurait servi à rien. Oh, mais ouais, tu t'en fais un chouchou! Tu t'en fais un chouchou pour la barbe! Vas-y, tu fais des deux là! Putain. Ah, parce que c'est un truc mou! Bah, c'est un truc mou ou c'est genre, comme un diadème en dur? Non, c'est un bandeau en tissu! Pas une couronne. Putain, bah, c'est un bandeau et je l'utilise pour me tresser la barbe. Excellent. La barbe d'un tel plus 10. Le disrespect en vrai. Je veux même plus y toucher. Oui, parce que je pense que la barbe de Berne est aussi grasse que les cheveux de Groba. Elle doit être dégueulasse, mais c'est des morceaux de viande et tout dedans. Quoi. Oh. Elle pue la moule. Attends, s'il te plaît. Oh. Ah, bah non, oui. J'ai eu un soin il y a 3 semaines, c'est bon. Hein. Un quoi? Un soin? Ah, oui, non, bah en non. Fait, j'ai rien dit. Ah, non, non, bah non, non. Bah non. C'est vrai. Non. Et t'es bah spontanément. Il y avait une coiffeuse, mais on n'y est pas allé. Pourquoi? Non, non, juste à voilà, y a... dormir ce jour-là. Il n'y avait pas eu trop de poussière, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Bah, du coup, sinon, ça, Aya, c'est communiquer avec les plantes, mais on est en Averne. Est-ce qu'il y en a? Ça peut se trouver des plantes en Averne. Pourquoi? Mais bah, parce que je me dis pour essayer de choper des infos, vu que tu vois, Ifi ne veut pas y aller sans plantes, etc. Je me dis s'il y a quelques plantes. Voilà, si c'est Ayavoa, va essayer de lancer le sort et de communiquer avec les plantes pour leur demander des infos sur... Bon, dites-nous un peu qu'est-ce qu'il y a dans le coin. Communiquer avec les plantes, ça parle comment une plante? Comment je dois RP une plante? Mais en fait, explique-moi. Je sais pas, j'ai... Comment je dois faire pour parler une plante, moi? Vous procurez aux plantes dans un rayon de 9 mètres autour de vous une sensibilité et une animation limitée, leur donnant la capacité de communiquer avec vous. Voilà, et même suivre vos ordres simples. Voilà. Vous pouvez interroger les plantes sur des événements récents qui se sont déroulés dans la zone du sort et récupérer ainsi des informations concernant les créatures qui sont passées par là, les conditions météorologiques ou d'autres situations.
Donc voilà, écoute. Bon bah écoute, je vais improviser un RP plante. Voilà. Il y a des buissons. Des buissons, des petits arbres qui sont mal en point. Mais oui, il y a des touffes d'herbes choisies. Voilà. Vas-y. Ok, de toute façon, c'est la session du n'importe quoi, donc vas-y. Oui, putain, mais moi je dois communiquer avec eux. Bah oui, bah, j'attends que tu me poses la question. Mais je suis quoi? Je suis une touffe d'herbe? Je suis un buisson? Explique-moi. Voilà, tu sais, buisson, on dirait les cours d'impro, tu sais, à la Comédie Française, tu sais. Tu es un buisson. Je suis un buisson. Tu es un arbre. Je suis un buisson. Alors attends. Donc je me. Voilà. T'es un buisson. Je ressens buisson. Les racines et les feuilles. Voilà. C'est bon. Ça, je vous en supplie. C'est bon. Je prendrai un peu de synthèse. Si arrêtez, je suis un buisson. Clipez ça. Je suis un buisson. Buisson, dis-moi. Mais quoi? Dans la zone ici là. On croise soif. Ok, je prends mon outre d'eau et je te balance de l'eau à la tronche. Soif. Ah, glou. Oh. Soif. Ah, il y en a moins. Quoi? Il y en a moins. Quoi? Soif, plante. Beaucoup plante, de créatures plante, dans la zone. Plante, soif. Non, toi. Soif. Oui. Chaud. Encore de l'eau si tu réponds aux questions. Ah, oh, soif. Oh, chaud. Tu veux de l'eau? Soif. Tu veux de l'eau? Soif. Réponse. Oui. Réponse. Oui. Créature? Oui. Danger? Oui. Oui. Comment? Beaucoup. Soif. Je refile un peu toi. Glou. Soif. Oui. Question? Beaucoup. Réponse? Soif? Beaucoup comme ça? Elle a pas dû. Comment elle peut savoir s'il y a des créatures? Elle les a senties, mais débrouille-toi. Je suis un buisson, moi. T'es un buisson. Oui. Soif? Oh, toi perdu? Oui. Toi, les trucs mauvais là-bas? Oui. Beaucoup créatures, danger là-bas, soif. Danger. Voilà, danger. Quel beaucoup, danger? Beaucoup. Créature. Danger chaud? Diable, c'est bon. Sur la terre? Tu. Dedans. Tes attends. Racines vibrent non, ou ce sont tes non, feuilles? Non. Ils non, volent? Non. Peut pas faire beaucoup racines ici. Peut pas faire beaucoup racines. Horrible. Soif. Aidez. Soif. Bon, je regardais mes compagnons, je vais dire bon. Diable, démon, il y a diable, beaucoup démon, de danger, beaucoup, diable, démon, mais démon. Corruption, voilà. Corruption. Le diable, démon. Démon, peut pas faire racine, soif. Attends, tu es en train de parler avec quoi exactement? Bon, bah, il est en train de se demander s'il faut pas donner le bandeau. Merde, oui. Les gars. En fait, tu te retournes vers nous pour nous poser la question et on est tous les trois là à te regarder, les bras croisés. Ça y a le grain a pété, il se passe quelque chose là? Mais non, mais je communique avec ce buisson. Oui, tout va bien, ça y a, tu communiques avec les buissons, bien sûr. Je communique avec les buissons. Je serais toi, j'éviterai la divination, hein, j'en ai des mauvais souvenirs. Oh. Père, mauvaise. Vous y connaissez rien, vous, mais voilà, quelqu'un comme moi sait communiquer avec les plantes. Elles sont pas nombreuses en Averne, mais voilà. Soif. Bon, on a pas beaucoup d'eau, là. Soif. Attends, les plantes, ça parle? Tu devrais la mettre dans un pot, comme ça tu poseras les questions sur la route. Écoute, lui, oui. Oui, écoute. Si il faut l'arroser, je peux l'arroser. Hein.
J'ai compris. Bon, je commence à déterrer le petit buisson. Ah, mal, bobo, mal. Parasite. C'est pas ce que tu voulais. Oh, vite, replante, vite, terre fraîche, vite. Bon. Tony bute. Oui, bah exactement. On va se balader avec Groot, quoi. Voilà. Exactement. Donc, terre. Je prends un contenant. Voilà, je mets de la terre, je le prends. Un contenant, c'est du point jerrycan de fuel, tu sais. Et je le prends sous le bras. Moi, je trouverais bien quelque chose, je suppose, dans nos engins. Oui, largement. Après, à toi de me dire ce que c'est. Voilà. Mais... Ouais, tu vois, genre, ou même genre juste un casque d'une autre créature, tu vois, que je retourne. Encore des cheveux dedans, des bouts de cervelle. pas de problème, voilà, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et donc, je l'embarque, et donc voilà, ça y est, se balade avec une plante sous le bras. Je l'ai rempoté. Non, toi ? Quoi ? Non, toi ? Seiya. Non, moi ? Tibuisson ? Je s'appelle Tibuisson. Tibuisson. Putain, je s'appelle Tibuisson. 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 Excuse-moi maintenant. Sauf. Sauf. Terre bien, terre bien. Passant dans terre. Terre bien, oui, terre bien. Ah, ok. Bien. Bon, bah, ça y est, gentil. Ça y est, gentil. tu vas vraiment te promener avec un pot de fleurs. Et alors ? Ça te dérange ? Un pot de fleurs. C'est juste un buisson mort dedans, hein, on précise. C'est juste quatre branches qui font la gueule. C'est tout. Attends qu'elle débloque le sort éveil. Voilà. J'avoue, ça va être un truc. Oh, mais oui. Attends, mais je pense que je l'ai. Je l'ai bientôt. Je l'ai pas préparé, mais je pense que je l'ai bientôt. Non, pas encore. Bientôt. Allez, pète le game. Hein. Voilà. Oh non. Il y a Lulu qui te regarde, qui dit ça y est, qu'est-ce que c'est quoi ? Pourquoi on a une plante maintenant ? Tu parles aux plantes ? Tu parles aux plantes ? Mais oui, je parle aux plantes. Moi, une fois, j'ai parlé à des pâquerettes. C'était super. Elles sont super sympas. C'était super. Et comment tu fais pour communiquer avec... Parce que j'ai un peu du mal. Bon, j'en sais rien. Bon, apparemment, la zone est pas top et faudra se méfier. Mais bon, j'ai pas d'infos sur le nombre, mais je pense qu'il faut s'attendre à... de la résistance en face. Burns, je t'en supplie, frappe-moi. Je veux me réveiller de ce cauchemar. Je vais mettre une gigabab. Mais putain, ça fait mal. Avec plaisir. Et pourquoi lui? Je sais pas. Des jours que je rêve de t'en mettre une. Ah, ça fait mal. Ah, je pense que tu peux toujours, hein, histoire d'être sûr. Non, mais c'est bon, calmez-vous. Oh. Lulu, elle se face-trompe. J'en ai vu des conneries, mais... Elle se face-trompe, trunk, face-trunk. Elle se bifle, quoi. Oh pardon. Oh la glissade. Il a pris le toboggan express là, il a... Et bonjour, c'est le train express en direction du vol, oui. C'est parti. Attachez vos ceintures. Waouh.
Prochain arrêt Beaufland, je répète, Beaufland. Oui, 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 mettez vos Marcel et vos plus beaux caleçons blancs, c'est parti. Préparez les coupes de cheveux et les bulles, c'est parti. Et c'est le bad, oui, Tony, oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, et du coup, faites quoi? Parce que Petit Buisson vous a dit que... On va avancer. Merci, Ractent, merci. Ouais. Bon, ça dure 10 minutes, hein, donc voilà, vois, ça y est, on va papoter 10 minutes. Il y a des conneries, il y a après... des nouvelles personnes qui nous follow. C'est cool. Tu vois, c'est cool. Tu voilà, vois c'est ça. Cool. Ils sont pas prêts, je crois, parce qu'ils ont pas encore vu Frost Maiden, ces gens-là. Mais attendez de voir avec, non? Bon, bah écoutez, maintenant qu'on est fixé, qu'on a eu un buisson qui nous a donné des informations, on va peut-être pouvoir y aller. Non, je propose qu'on aille cramer tout ça. Ouais. Le buisson, tu vois le buisson qui sera bougri, tu sais. Donc... Non. Ça y est, ça y est. Trop chaud, trop chaud, trop chaud, trop soif ici, trop chaud. Tu l'as mis sous le pare-brise en même temps. Merde. Bon, du coup, je le mets à l'ombre. Je le mets à l'ombre dans la. Je me souviens plus, on a récupéré un gros véhicule ou ouais, non? On a de nouveau nos deux motos et. Vous avez les deux motos qui sont, je crois, saucissonnées sur le Demon Grinder, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et voilà, bah, du coup, je le mets à l'ombre. Soit au niveau de la moto, j'ai une place sinon dans le Demon Grinder. Et je lui mets un peu d'eau et puis je lui dis bon, on revient. Bon, en vrai, je savais pas du tout combien de temps ça durait, mais je trouvais ça très drôle. 10 minutes, mais je peux le faire bon. Tous les jours. Nickel. Tous les jours, je le fais gratuitement avec mon bâton, donc tous les jours, on pourra avoir une petite conversation, Petit Buisson et moi. Voilà. C'était si bien. On a plus de Carniflex qui vient nous embêter, maintenant il y aura Petit Buisson. Bah oui, ça. Bah oui, hein, il faut prendre beau prêt. Fini, il peut parler à un esprit... à son doigt, et alors moi j'ai pas le droit d'avoir un petit buisson, voilà. Merci Julien, c'est super gentil, merci beaucoup. Trop sympa. Mal aux abdos. Ouais, c'était dur, hein, franchement. T'as pas compris, c'est RP buisson. Moi je dis plus souvent, c'était rigolo. Du coup, vous savez qu'il y a des bons et des diables qui sont allés là-dedans. Vous allez du coup. Les zones corrompues. Exactement. Vous allez devoir remonter un petit peu cette rivière. C'est pas un fleuve non plus, mais cette rivière, et je le précise en trigger warning, mais c'est une rivière de sang pour le coup, qui s'écoule depuis cette espèce de furon, ce bubon immonde qui est en train de pousser, c'est littéralement ça, de pousser autour de la citadelle. Vous comprenez tout à fait pourquoi elle s'appelle la citadelle sanglante. Ça a tout son sens. La rivière en question, c'est autre chose que le Styx, du coup? C'est autre chose. Okay. C'est clairement un truc qui est créé par la citadelle, mais ça n'a rien à voir avec le Styx, pour le coup, vraiment. Le Styx a la couleur du sang, mais je crois pas que ce soit vraiment du sang. Donc je vérifie, mais j'ai un doute. Et ces chaînes qu'on a vues, c'est quoi exactement? Ça maintient la citadelle? C'est quoi? Alors ça, c'est plutôt un truc cosmétique de l'illustrateur ou l'illustratrice. D'accord. Honnêtement, parce que à aucun moment dans le bouquin, il parle de chaîne qui relie la citadelle sanglante. Je t'avoue que je me suis posé la question aussi en lisant la campagne. Je me suis dit, mais c'est quoi ces putains de chaînes de merde? Et je pense que c'est juste un effet cosmétique pour le coup. Ok. C'est stylé, au demain. C'est ouf. Vous allez vous rapprocher avec à l'aide de vos machines infernales de cette chose. Clairement, j'avais envie d'appeler ça un furoncle parce que je trouve que c'est assez imagé pour le coup, ça représente bien le truc. Et au final, vous allez voir, je sais plus qui conduit par contre. Je crois que c'est Groba.
Ben, le moins possible, puisqu'il aime pas quand les pièces d'âme lui crient dessus, mais oui, c'est vrai. S'il faut, il conduit. Je peux conduire aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je pense que c'est ça, Aya et Aifin qui conduisent le plus souvent. Ok. Mais sauf si on doit. Enfin, si tout est attaché et qu'il n'y a qu'un seul conducteur, alors oui, mais si on a chacun nos motos, alors il faut quand même que l'un de vous conduise. S'il n'y a pas à conduire, d'ailleurs, je tape une petite sieste. T'as bien raison. Pardon, j'étais en train de lire un truc. Vous allez approcher de cette citadelle petit à petit, et plus vous vous rapprochez, plus vous voyez que votre chère Lulu change de comportement pour le coup. Elle va systématiquement être à côté de la personne qui conduit. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, elle va rentrer dans une espèce de transe, un peu comme si elle faisait elle aussi la divination, Bayern. Et va venir en fait, paraît très con, avec sa patoune ou avec sa trompe, vous indiquer en fait le chemin à suivre. Et vous allez voir que vous allez contourner un petit peu, petit à petit, au fil des heures qui suivent, parce qu'on rappelle que les distances sont erronées hein, dans Avernus, et le temps aussi passe différemment. Vous allez avancer, vous rapprocher de cet ensemble grotesque, pour le coup. Le contourner, par la droite au début. Et constater vraiment l'horreur de ce truc. C'est vraiment comme si... littéralement, une pustule avait poussé autour de cette citadelle. Ça suppure partout de sang, ça a fait du goutte à goutte permanent. Il y a une odeur aussi de charogne dans l'air, de sang. C'est vraiment pas du tout agréable pour vous. Même ceux qui ont grandi ou vécu en Averne longtemps. Lulu va vous guider au fil des heures suivantes autour de cette citadelle. Votre objectif, tant attendu depuis si longtemps. Elle va vous guider vers, en fait, un trou. Béant. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots pour ça parce que c'est vraiment ce que c'est. Dans ce furoncle... il y a un énorme trou béant, une cavité. Je te vois. Hein. Une énorme cavité. Et Lulu indique complètement que c'est ici qu'il faut aller. Elle reprend conscience, elle dit le chemin c'est par là, il faut qu'on descende. Vous ne passerez pas en véhicule par contre. Rectens, on peut faire la conduite accompagnée avec des buissons, j'avais pas vu. Il est profond ce trou ? On n'en voit pas le fond en tout cas. Là vous êtes. Va chercher. Tu es sûr qu'il faut qu'on rentre dedans ? Lui ? Oui, on n'a pas le choix. L'entrée est en bas, on n'a pas le choix. Oui, mais on fait comment ? Parce que là, si on saute, on est mort. Mais non, regarde. Elle volette à l'extérieur du véhicule, pour le coup. Elle dit, c'est un tunnel ! Elle commence à y aller. Je saute à terre. C'est spongieux au sol. Vous marchez, ça fait comme de la boue, sauf que pour le coup, c'est du sang qui sort. Bon, vous venez. Je préviens qu'il y a des trucs qui vont être un peu gore et un peu imagés. Du pied. Okay. Si c'est trop, vous le dites. Ok. Ouais, c'est okay, bon. Je me souviens pied, plus si j'ai la vision nocturne ou pas. Poche. Parce que je suppose qu'il c'est genre tout noir et. Oui. Complètement. Ce qui dit diable et démon dit devil sight, donc pas besoin de torche. Bah oui. C'est confortable d'être un démon quand même, hein, ou un diable. C'est buisson à la neige, la rentrée du buisson. Est-ce que le sol, ça a l'air d'être juste du sol recouvert de sang, ou ça a l'air d'être. Non, ça a l'air d'être de la chair. Organique. Ouais, ça. Plus vous vous rapprocherez du. Organique. Ouais, mais plus vous rapprochez de cette espèce d'homoncule dégueulasse,
plus vous vous rendez compte que vous marchez sur de la chair en fait. J'ai jamais à ressentir des présences comme j'arrivais à ressentir avant. J'en suis toujours capable. Ressentir des présences. Ah oui, j'ai compris. Oui, genre... tu t'en sens toujours capable. Ça marche. T'as dit que je vais me servir de ça quand on approchera. Mmh. Les véhicules passent pas. Non. Mais genre si je me transforme en araignée géante, ça passe pas non plus. C'est taillé. Si, parce que en fait c'est surtout la hauteur qui va poser problème. Les motos elles vont passer si tu veux. Mais le Demon Grinder il passera pas. Ok. Demon Grinder il est beaucoup trop gros pour passer. La moto elle peut se faufiler dans le tunnel, y a pas de problème. Toi en araignée tu pourras passer aussi. Ok. Ben je serais bien tenté de me transformer en araignée. Ok, pas de soucis pour moi. Je te laisse décompter tes transformations. Oui. Comme d'habitude de toute façon. Et du coup j'ai une. Du coup j'ai une vision aveugle à 3 mètres, une vision dans le noir à 18. Puis comme j'ai pas d'araignée et que c'est un tunnel, enfin voilà, elle passe sur le plafond tuc, 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 tuc. Et elle éventuellement elle passe un peu devant. En fait je vous dis ben oui que je passe devant et je me transforme. Vous m'avez déjà vu me transformer donc effectivement. J'ai ce. Ça y a sur la tête un crâne d'un animal avec quelques plumes, orné de quelques plumes. Et en fait, c'est la dernière chose qui va se transformer. Donc, ça va commencer par l'arrière de son corps, puis l'avant, puis le visage. Puis vous avez l'impression à la dernière seconde que cette araignée géante a ce crâne sur la tête, puis qui va se transformer aussi. Et vous verrez cette énorme araignée. Aux yeux bleu clair. J'ai plus faim. Moi non plus. Moi qui ai beaucoup de mal avec les araignées dans la vraie vie. Oui, je suis arachnophobe donc j'avoue. Ah pardon. Non, t'inquiète. C'est vrai que comme on a dit que ça allait être gore et tout, je me suis dit bah c'est bon, le warning il est fait. Non, on peut ne plus respecter personne, c'est bon. C'est juste dégueulasse, mais il n'y a pas de problème. Du coup, oui. Ben voilà. T'inquiète. Avant que tu te sauves, Bayern il va dire attends, je vais juste vérifier un truc et je vais essayer de me concentrer si je ressens des auras autour des auras de. Oh bah disons. Non, de diable de. Oh bah disons que tout le furoncle il pue les enfers quand même. Hein. Ok. Voilà, c'est-à-dire que tout le truc il brille, c'est limite tu flashes, tu vois. Oh c'est bon, ça marche. Il y a toujours de la pile. C'est indiscernable pour le coup. Il y a sûrement des trucs dedans, hein, tu t'en doutes, mais. On est sur un démon en fait. Enfin, un diable. Je vais dire. Ouais, non, bah. Faut se chercher un feu de camp dans un incendie, je vais essayer d'y aller.